13 novembre 1874, extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Popelin fait irruption ce matin dans ma chambre avec, sous le bras, son manuscrit des mémoires de la princesse. À la lecture des premières pages, l'on sent un enfant terrible, une princesse heureuse de faire de l'indiscrétion sur ces augustes milieux, d'ordinaire si cachés, si voilés. S'y fermer au public, et rendons grâce à Dieu qu'elle soit encouragée en son indiscrétion par un homme qui a un goût de la petite histoire, de l'anecdote, des côtés vraiment amusants de l'humanité. À déjeuner, à propos de Zola, dont le nom a été prononcé par moi et qu'on abîme, je ne puis pas m'empêcher de m'écrier Mais c'est la faute de l'Empire Zola n'avait pas le sou. Il avait une mère, une femme à nourrir. Il n'avait pas d'abord d'opinion politique. Vous l'auriez eu avec tant d'autres si on avait voulu. Il n'a trouvé à placer sa copie que dans des journaux démocratiques. Eh bien, en vivant tous les jours avec ces gens, il est devenu démocrate, c'est tout naturel. Ah, princesse, vous ne savez pas quel service vous avez rendu à ces gens, combien votre salon a désarmé de haine et de colère, quel tampon vous avez été entre le gouvernement et ceux qui tiennent une plume. Mais Flaubert et moi, si vous ne nous aviez pas achetés, pour ainsi dire, avec votre grâce, vos attentions, vos amitiés, nous aurions été tous deux des éreinteurs de l'empereur et de l'impératrice.